Et hier, c'était dans les bandes de 23h et 0h. Il y avait une pluie vraiment torrentielle qui s'est abattue généralement sur tout Conakry et pratiquement qui a causé beaucoup de dégâts à Kobaya ici. Nous étions ici. Ici, c'est notre habitation, notre maison. Nous faisons front au cimetière de Kobaya. Et nous avons assisté d'un coup, le mur du cimetière de Kobaya a cédé. Et de l'autre côté, côté est, le mur est tombé. Donc, l'eau a passé dedans, l'eau est venue et casser l'autre mur ici. Directement, la vague est rentrée dans nos maisons ici. Il y a eu beaucoup de dégâts, même pratiquement dans nos maisons. Les matelas, les fauteuils, tout était parti. Et tout était inondé, sincèrement. Vous voyez la route qui est nouvellement faite de l'autre côté là. La canalisation est très mal faite. Alors, c'est cette canalisation, quand elle vient, elle ne peut pas continuer directement à aller reprendre le fossé de la grande route. Maintenant, dès qu'elle vient, elle sert ça où passer. Donc, elle est venue, c'est cognée contre le mur là. Elle a fait céder le mur là, de l'autre côté maintenant, ici encore c'est tombé. Donc les eaux de ruissellement ont continué. Nous lançons aux autorités de venir vraiment en assistance. Savoir d'abord ici, c'est l'île de cimetière centrale de Kobaya. Ici, toutes les personnes presque sont enterrées ici. Hier, lorsque la pluie, comme les eaux de ruissellement là ont passé, nous sentions même une odeur de corps. Il a fallu l'imam, le grand imam de Kobaya ici, El Azmello, que tout le monde connaît, et le premier conseiller du quartier de la Sainte Mosquée ici de Kobaya. Ils sont passés ici, on a fait un constat, on a trouvé même, il y avait certaines tombes là qui étaient ouvertes à moitié. Nous avons décidé de mobiliser même la jeunesse pour venir fermer ces trous là. Il y avait même une odeur qui sentait. Nous lançons un appel aux autorités de venir sincèrement en aide, non seulement pour réparer cette cour ici, parce qu'elle ne peut pas rester comme ça quand elle vient ici, elle reste comme ça là. Même les chiens peuvent rentrer ici pour dévorer les corps qui sont à l'intérieur. Donc nous lançons un appel solennel aux autorités de la transition de nous venir en aide sans délai, sincèrement, pour réparer cette cour. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez perdu dans cette inondation? Bon, il y a eu pratiquement les fauteuils qui sont gâtés, il y a eu des armoires, parce que toute la maison était inondée, parce que dès que la cour, vous pouvez le constater, dès que la cour a cédé, l'eau est partie directement dans notre maison. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels qui se sont produits. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts en perte en vie humaine, alhamdoulilah, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont gâtées dans la maison. Vous pouvez le constater.